déconner non plus, hein. Ok. Maintenant, vous descendez sur terre, ça c'est à la poubelle. Il y a autre chose à faire, hein, maintenant. Il y a encore 40 minutes après, hein. Enfin, 3 fois 15, même plus. Ok. On est loin d'aller filer, hein, boys, hein. Alors, j'ai le temps de me moucher. Merci déjà, hein, les gars, pour le travail accompli, hein. C'est fini. Il y a encore une petite heure, une heure et demie, là, où on bosse encore tous ensemble. Après, on va voir ce que vous dites, hein. Le discours, il ne change pas par rapport à ce matin. On profite de ces bonnes émotions. On laisse monter l'adrénaline juste ce qu'il faut. Et puis, on se fait plaisir. On joue avant tout pour la gagne. On joue pas pour papa, maman, la fille, la copine, les grands-parents. Hein. Ils sont là, ils nous encouragent, d'accord. Mais on joue pour la gagne. Et puis on continue de jouer juste. Hein. On vous demande de rester bien disciplinés sur le banc. Laurent, il donnera la composition. Ça va nous être aussi un travail dans les changements par rapport aux lignes que les Anglais aligneront. Donc soyez bien attentifs. On va essayer de réagir le plus vite possible pour vous orienter. Mais on a besoin d'un certain ordre, d'une bonne discipline sur les bancs. Hein. On prend shift après shift. Comme ce matin, on ne s'énerve pas. Ce qui arrive, on l'oublie, c'est passé. On pense à la suite. On travaille, on met le bleu. Ça va passer. Vous avez été patient ce matin, il faudra être encore plus patient contre cette équipe-là. Il faut tourner la balle, il patine vite, il patine fort. J'essaye de geler le jeu. Donc, à nous de jouer intelligemment. Puis quand il y a la brèche, on peut mettre le coudin, hein, au bon moment, hein, les gars. Hein. Ça joue. On va prendre tiers par tiers. C'est 3 fois 15. Arrête de jeu. D'accord. C'est bon. Ça va être important que tout le monde soit prêt, soit dedans à partir du départ. Dans le début de match, je peux conditionner énormément de choses. Super important. Au niveau du plan de match, ça ne change pas grand-chose de ce matin. Le moment où on a la possibilité, puis qu'on a mis sous pression, on met en bas, puis on vient automatiquement coller les adversaires. La même chose. S'ils sont vraiment arrêtés et posés, on joue notre système normal. D'accord? Il y a une chose toute particulière où j'aimerais vraiment qu'on fasse attention, c'est pas de perte de balle dans la zone morte. C'est ce qui nous a posé énormément de problèmes au premier match contre eux. Ils sont quand même super rapides dans la transition pour partir sur le goal, hein, pour venir vers nous. La deuxième des choses, c'est que oui, on met au fond, oui, on va coller. Et où il faut faire attention, c'est qu'ils ont toujours un troisième homme super intelligent qui arrive et puis qu'il reçoit une bonne passe pour mettre un gros shoot sur le goal. Hein? Donc, le home à home, ça va être encore plus important et encore plus strict que ce matin. Hein? J'ai trouvé la prestation solide ce matin. Mais on doit encore augmenter d'un cran cet après-midi.
pour aller jusqu'au bout. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y ait tout le monde qui puisse toucher ce bout de métal. Et pas la deuxième plus petite, la plus grande. Ok ? Comme je disais avant, la patience, c'est quelque chose qui m'a extrêmement étonné ce matin. C'est 1-0, 2-0, pas entendu gueuler, personne s'est énervé. On s'est remis à bosser juste, on a marqué directement derrière pour revenir. Ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est long, 3x15, avec tout ce que vous avez dans les jambes depuis le début du tournoi. Pour eux aussi. Le début de match conditionnera énormément de choses, hein, les gars. D'accord ? Vous avez envie de toucher ce bout de métal, ou bien ? Oui. Vous avez pas entendu, les gars ? Oui. Ok. Donc, on roule, hein, on rentre dans l'échauffement, hein, un bon échauffement. On met directement du rythme. Et puis on va travailler fort cet après-midi, les gars. Hein. Come on, boys. Hein. Okay. Blanc non plus. Raquette qui va avec Soto, avec les rouges. D'accord ? Maintenant, c'est toujours la même chose. En face, ils sont 13, donc 3 blocs avec un supplémentaire. L'hiver, vous allez jouer le bloc à Pirman. D'accord ? Donc, ça va être dans la même configuration que ce matin. C'est clair ? Mais c'est 3x15, donc c'est vraiment important que tout le monde soit là. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont rentrer pour faire souffler les autres. Hein. Ok ? Allez, hein ? Les boys. Allez, boys.